Ok, bienvenue à tous mesdames et messieurs sur House Builder. On va mettre en French. On va mettre le clavier français. Genius de frérot. Wow, ça on fait peut longtemps que tu voulais le faire. Waouh. On peut modifier le contrôle. Incroyable. C'est pas un cul qui se balade là. Voilà. Ok, option. Audio. Tu vois ça? Vous voyez cette animation là? Ça j'aurais pas fait. Tu vois? Ça j'aurais pas fait. C'est bien le son là? Graphique, ça lag pas? Ça lag pas? Waouh! Waouh! Les paramètres ont été. Ok. Mesdames et messieurs, c'est parti. Oh, un igloo! On va commencer par l'igloo, mesdames et messieurs. C'est parti. Donc, effectivement, on va probablement progresser dans les délires de construction. Je viens de dire à ma maman ce que tu viens de dire et elle voudrait ton numéro de téléphone. Émoticône clignant de l'œil. Émoticône elle a déjà clignant dit, de l'œil. Me donner. Émoticône clignant de l'œil. Curiosité. Émoticône clignant de l'œil. C'est bon de vous avoir sur le chantier. J'espère que la météo commence. Émoticône clignant de l'œil. 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 J'ai changé mes contrôles. Émoticône clignant de l'œil. Émoticône clignant de l'œil. Émoticône clignant de l'œil. Émoticône clignant de l'œil. Abuse pas. Émoticône clignant de l'œil. Abusez pas. Cuc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 
Attends, faut que je MLG tout ça. Ma sensi trop basse. C'est comme ça qu'on fait? Si? Donc en gros tu casses des blocs de glace? C'est pas de la neige? Et ils sont où? New skill available. Arbre de compétences, merci, c'est déjà fait. Attention, le feu s'éteint. Si vous ne jetez pas de bois tout de suite, le feu s'éteindrait et vous giderait complètement. Oh non! C'est bon? Émoticône clignant de l'épaule, émoticône clignant du cou, émoticône clignant de l'œsophage. Putain, c'est stylé ce jeu. Faut que je trouve un moyen genre giga chat de le faire. Mais cut, Cucklord. Pas un autre point de compétence qui me permet de tripler les tuiles. Construire 9. Putain, je vais construire comme ça, je débloque un nouveau point de compétence. Y'a pas de SET demain? Ah ouais? Ils ont annulé? C'est sympa de me tenir au courant en tout cas. C'est sympa de me tenir au courant. Locke, ils veulent faire Raft. Et Inox ont dit qu'ils allaient continuer leur game sur Raft vendredi car ils ont trop kiffé le jeu. On va courir et marcher plus vite. Je suis sur scooter. Mec, s'ils veulent jouer à Raft avec moi, y'a pas de soucis. Hein. S'ils veulent jouer à Raft, mec, moi je suis un drogué de Raft. Le problème c'est que je vais leur spoiler la gueule. Mais en vrai, je dirais rien, je spoilerai pas. Oh putain, l'Open Camp. Si je joue avec eux, les gars, je dirais rien. Rien. Oh là 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 là, comment je découpe comme un farmer. Ah mais Raft c'est un jeu mais trop kiffant. Le problème c'est que j'ai tellement saigné les gars. En fait à la rigueur je peux leur faire la base, je fais leur boniche. Tu sais? Je serai leur boniche. Stylé non? Oh le farmer, oh le farmer. Trouvez une autre source que celle-ci, médaille. Il est mon feu. Clic la clouc. Ok, c'est parti. J'adore ce jeu. Oh là 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 là, mon igloo. Mérou, mais j'ai déjà fini, j'ai fini le jeu. Attends, nouveau skill. Peut-être qu'il faut que j'écho pour les prochains skills. Oh là 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 là. Avec cette compétence, vous couperez 15. Ah bah ouais, direct. Qui c'est qui prendrait autre chose? Il faut que je me dépêche. Émoticône clignant de mon The Booby, émoticône clignant de mon The Booby. J'ai trouvé une source. Émoticône clignant de mon The Booby, 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 émoticône clignant de mon The Booby. Waouh! Et du coup, vu que je farm à une vitesse grand V, les points de compétence, je les farm vénère. Oh mon dieu, il est déjà fini! J'ai fini le jeu! Et là j'ai de nouveau un point de compétence, avancement de construction. Et je vais avoir encore un point de compétence du coup. Vu que je place des carrés. Mais mon chien il veut pas bosser ce con. Coureur débutant, activé. Marcher 30% plus vite. Je vois aucune diff.
trouvé une source. 100%, il a déjà saigné le jeu Locklear LOL. Moi ? Non, je l'ai installé hier. Oh mon dieu, le prog. Pog gamer, prog. J'adore ce jeu. Clic-clac-clouc-clac-clic-clac-clic-clac-clic-clac-clic-clac-clac-clac. J'adore ce jeu. Par contre, il faut juste que j'apprenne à couper. Mais j'ai fini mon niveau là. J'ai déjà fini là, non? C'est sûr. Locklear, ça va, émoticône clignant de l'œil. Ça va, le chat émoticône clignant de l'œil. Mais attends, c'est très chiant de spammer des émoticônes clignant de l'œil. D'où tu cliques avec un couteau, les gars? Ça se fait pas un doodle, ça se fait pas comme ça. Alors le chat sera envahi de émoticônes clignant de l'œil. Émoticônes clignant de l'œil. Mais après, si le chat arrête de mettre des émoticônes clignant de l'œil, il n'y aura plus émoticônes clignant de l'œil. Voilà. C'est comme ça qu'on fait un igloo vraiment, les gars? Hein? J'ai plus de ressources. Va chercher du bois, connard! J'ai pas un nouveau point de compétence là? Vous devez courir 730 mètres. Frérot, c'est l'hiver! Il est trop stylé le jeu! Mais je crois que c'est une pré-alpha et ça m'énerve. Moi, j'ai dit que j'arrêtais de jouer au pré-alpha, mais bon, après, ça veut dire que je joue plus à aucun jeu en fait. Si j'arrête de jouer au pré-alpha, je joue plus à aucun jeu. Je crois qu'il y a une strat, chat. C'est de viser l'intérieur, genre en mode tu t'en bats les couilles. Ça marche pas. Strat de merde. Regardez-moi ce farmer. Qu'est-ce que j'aime farmer? Allez, je fais une dernière. Mais dans la vraie vie, les gars, c'est pas comme ça. Dans la vraie vie, un igloo, il est fait de glace ou de neige, chat. Donc dans la vraie vie, si je trouve de la glace, je dois cut la glace avec un couteau. Après, comment tu cut de la glace avec un couteau, mec? C'est impossible. J'ai fini le jeu. C'est terminé, le dernier bloc. Refait. C'est quoi ce bordel là? Pourquoi je dois faire ça? Appuie sur H pour ouvrir le magasin. Une boutique. Il n'y a pas de possibilité d'embaucher un ouvrier. Je peux embaucher un ouvrier. On peut embaucher des noobs, les gars, je peux avoir des employés. Yes! 5 sur 5, 9 minutes speedrunner, le best. Clic, clac, clou, clou, clac, clic. Je peux rester ici? Tu peux faire avec les deux. Fais un truc toi, je te bute. Vas-y, je me casse d'ici, non? Avancement et construction 100%. Donc je peux vendre mon igloo maintenant. Mec, c'est trop stylé ce jeu. Donc je progresse. Non, j'ai pas envie que ça se termine. Maison debout, level moyen, n'a pas c'est payé. C'est le jeu de la reine des neiges, Locklear note. N'a pas payé. Maison debout. Ouah. Commençons. Vous n'abandonnez pas facilement, n'est-ce pas? Ça tombe bien, le prochain défi nous attend. J'espère que vous avez pris les insecticides en spray et vous pouvez en avoir besoin. Quoi? En même temps, nous avons entendu des rumeurs au sujet d'un tigre affamé à proximité. Faites le travail rapidement, il y a une chance que nous ne nous rencontrons pas. Je le baise, le tigre. Allez hop, on farme les cailloux. C'est quoi ça? Pour saisir l'argile. Hein?
C'est complexe là. Oh, j'ai une vision Widowmaker. Vision high-tech. Vision high-tech. Vision du survivant. High-tech. High-tech. Clic, clac, clac, clic, 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 clac. Panneau d'aide. Utilisation des sens de constructeur. Merci frérot, j'ai déjà vu la vidéo. On m'a déjà merci spoil. La mitrailleuse arrive. Crac, 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 crac. Pourquoi j'ai du sang sur les bras? C'est glauque. Ça doit être plaisant à regarder quand même. Un farmer d'une telle envergure. C'est genre, y a aucun problème. Il est temps de poser la fondation de notre maison. Tu vois, genre, je farme bien plus vite. Nouveau skill. Ça y est, je vais dire. Perfect. Nouveau skill. Cette compétence augmente votre force de 50%. Ainsi, vous devriez transporter plus de matériaux. Mec, mais le jeu, il est giga trop complet, en fait. C'est trop. T'imagines quand tu vas construire une baraque? Comment je vais tomber dans les pommes? Vas-y, je suis un athlète. Activé maintenant. Hein? J'allais couper du bois, tu te fous de ma gueule? J'adore ça. Y'a de la corde qui tombe des arbres? Chat, comment tu fais de la corde avec des feuilles? J'ai jamais compris ça dans les jeux. C'est menteur. Hop, 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 hop. Comment tu l'accordes avec des feuilles? C'est pas possible. Coupe ou je te coupe. Déjà, elle sort d'où ma hache? Genre, qui a fait ma hache? Merde, il me manque encore du bois. Des rats, dans rats, tu sais bien la corde avec des feuilles bêtes. Bah ouais, j'ai jamais compris, frérot. Comment c'est acceptablement possible? Tu peux pas faire, tu peux pas, c'est pas possible. Les feuilles comme ça, ça peut servir de corde. Les feuilles de bananier? Ah, t'as vu, je connais, hein, c'est les bananiers, t'as vu? Je connais. Hein. Ok, je suis chaud, c'est parti. Mais attends, dans la vraie vie, c'est comme ça aussi? Chat, les constructeurs là! Dites-moi si dans la vraie vie, c'est comme ça. Est-ce que dans la vraie vie, on construit réellement comme ça? Parce que là, je suis désolé, mais comment mes bouts de bois ils tiennent sur le truc? Comment ils tiennent? Comment ça tient? Par magie? En gros, tu creuses et tu plantes. Non, j'y crois pas. Ça tiendra pas, mec, hein. Ça tiendra pas si tu plantes ça. Il faut que tu le cimentes, mec. Faut que tu le cimentes. Nouvelle compétence? Comme ça, vous permettra de couper les palmiers plus rapidement. Oh, c'est trop bien ce système de compétences. T'as l'impression que t'avances, quoi. C'est, en tout cas, c'est bien. C'est plutôt bien détaillé. Oh, c'est vrai que j'ai un sprint là. Oh là là. Oh, le boss. Oh, ça régale. Oh mec, ce jeu il régale. Ils ont compris tous les points culminants de mon tu sais genre de ma dopamine. Ils savent stimuler ma dopamine, c'est con.
Moi aussi t'es stimulé, toi aussi t'es stimulé. Vous êtes stimulé les gars? En tout cas j'ai tellement de cordes les gars que dès qu'on en aura besoin, il y aura plus personne. En tout cas là j'ai fini le jeu là je pense. J'espère qu'on aura plus besoin de roche. Oui ça me titille. Ça te titille? Je t'ai pas demandé si ça titille frérot. J'ai demandé si ça stimule ta dopamine. C'est différent de stimuler et titiller frérot. Titiller c'est ce que je fais à ta daronne. Pardon. C'est des blagounettes les gars, hey. Les gars, j'ai fini le jeu. Merci les gars pour les subs d'ailleurs, merci beaucoup les gars. Merci pour les tutoriels, merci beaucoup pour le soutien les gars. Merci pour les follow les gars si vous n'avez pas encore follow. Hey, c'est quoi ça? C'est des rochers. Je prends tous les rochers. Putain comment je suis fort. Ok les gars là j'ai fini le jeu là, c'est sûr. La baraque est terminée, j'ai assez farmé. Mauvais matériau. Putain c'est trop bien, ça stimule ma trixamine. Ok donc ça je suis d'accord. Ok là, ça je suis d'accord. Mettre les cordes pour accrocher les trucs. Ah oh, ça je suis pas d'accord. S'il te plaît dis-moi que j'en ai assez. Oh j'ai bien fermé. On a bien fermé. Congratulations. Oh putain la corde, je sais pas si j'en ai assez. Ah je peux ouvrir le magasin. Ça marche pas, H. Oh, le spoiler. Qu'est-ce qui fait que les boules là? Hein? Oh, tu peux faire des briques. Enfoiré, va. Spoiler de merde. La musique? Qu'est-ce qu'il y a la musique? Putain, j'ai fermé tellement de cordes, je suis un génie. Outstanding. Yes! Préparation de la boue. M'apprends pas à faire de la boue, merci frérot. Prends pour qui lui? Je mets la boue là-dedans. Ça, je fais quoi? C'est de l'eau, hein. C'est de l'eau et de la boue, l'argile. Je suis trop un génie. Je suis trop un génie. Et là, je triture, c'est ça? Et j'ai gagné. J'espère qu'il y a un truc qui va me stimuler ma dopamine après. Parce que ça, frérot, ça me casse les couilles. J'espère que ça va me stimuler ma dopamine après. Ah, stimule-moi. Comme ça, on permettra de couper des palmiers plus rapidement. Quoi? Vous créerez plus de blocs de boue en même temps. Mec, c'est des génies. C'est des génies. Tu vois? Ils stimulent ma dopamine. Ils savent me stimuler, les gars. Chat, elle est bien la musique. Je pense sincèrement que émoticône clignant de l'œil, 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 émoticône clignant de l'œil. Bon, je suis chaud. Bon, je suis chaud. Pense j'ai assez de briques là.
L'argile, c'est que de la boue et de l'eau, les gars, chat. Faut pas trouver une matière argilienne. Oh, il m'en faut des milliards. Il faut former beaucoup plus de blocs de boue en même temps. Let's go. Oh putain. Oh là on parle. L'argile c'est de l'argile. Mais pourquoi là? Mais non, l'argile c'est de la boue et de l'eau, non? Pourquoi là? Je fais quoi là? Ah mais là c'est pas de l'argile ça. Attends, ça c'est juste des blocs de boue, non? C'est quoi ça? Ça c'est des blocs de boue ça? C'est pas de l'argile. Yes, le point de combinaison, let's go. Avec ces combinaisons, vous formerez incroyablement plus de blocs de boue. Et vous permet de construire des briques par briques tout le temps. Il suffit de maintenir LP. Oh, mais ils sont incroyables. Oui. Mec, je viens d'y penser dans ma tête. Je me suis dit, mais pourquoi ils ont pas laissé le clic appuyé? Tu vois? Pourquoi je laisse pas le clic appuyé? Et là, les mecs, ils y ont pensé. Mec, les gars qui font ce jeu, c'est des génies. Je le décrète. Pareil pour ramasser d'ailleurs, je reste appuyé sur E, ça ramasse tout. Incroyable. Donc là c'est pas de l'argile ce que je fais. Si, regardez. Pour lever l'argile, mais l'argile c'est par terre. Donc mon sol c'est de l'argile, chat. Pas possible, comment ça pas possible? Tu es bête ou quoi? Imagine dans la vraie vie c'était comme ça. Alors, avec cette combinaison vous créerez plus de blocs de boue que vous n'en avez jamais besoin. La sœur a permis de construire, il suffit de maintenir LP. Les blocs se construiront automatiquement un par un. J'ai pas compris, c'est quoi mon objectif? Oh putain. Oh putain. Vous êtes trop chargé, sans déconner frérot. Comment je fais pour construire automatiquement les gars? Ça y est, ça commence à avoir de la gueule, hein. Putain, mec, ça, c'est mon petit rêve secret. Secrètement, j'ai envie de me construire une petite baraque comme ça, tu sais. Secrètement, les gars, j'ai vraiment envie de le faire. Tu vois? C'est vraiment... ça doit vraiment être un kiff, tu sais, de construire son petit truc. Son petit nid douillet, tu vois. Et après, dormir dedans, tu vois. Ça doit vraiment être un truc, tu vois. Après se réveiller les gars avec une pneumonie. Tu le réveilles avec la pneumonie les gars. Oh merde. J'ai débloqué quoi là? Super coke. Cette combinaison augmente votre force de 100%. Bizarre ce jeu. Bizarre mais je l'aime beaucoup. Fini le jeu.
Ah, il est cool le jeu, il stimule ma dopamine. Mec, il est trop fort le mec quand même. J'aime bien en plus, ils ont mis de l'enjeu. Il y a un lion qui peut te baiser ta race, tu vois. Les murs sont prêts. Oh, cuisson de tuiles. Hein? Ah, je l'ai cuit au soleil. Quoi? C'est incroyable. Toi, sache qui ferait faire ça. Le problème, c'est que tu le fais, mais tu meurs genre en quelques secondes. Là, tu vas dans la jungle, le temps que tu mettes tes mains dans la boue, il y a déjà un insecte qui t'a piqué et t'es mort. Genre vraiment, c'est terrible. Oh merde. Ne me dis pas que c'est ça. Allô ? Hein ? C'est quoi mon objectif ? Mais j'ai pas lu la suite, chat. C'est quoi ça? Pourquoi un four? Hein? Ok, donc là je peux mettre les tuiles dedans. Je savais pas que c'était un four ça, je pensais que c'était un tronc d'arbre, chat. Ils sont bêtes ou quoi? Et d'où j'ai créé un four comme ça? 75%. D'après mes calculs, je peux encore en mettre un. Putain, je suis trop fort. Par contre, comment je mets du feu là? Faut sûrement le mettre dans le cul ou un truc comme ça, non? Sur YouTube, il y a deux mecs qui construisent des maisons et autres en argile. ECT va check cœur rouge. Ouais, c'est les mecs à poil là. Mais comment je mets le bois? Tu penses que je vais le couper? Pourquoi c'est. Oh merde, y'a un trou en dessous. Chat, y'a un trou en dessous, je suis aveugle sa mère. Pourquoi il met ça en dessous? Il est bête ou quoi lui? Ouais mais c'est en dessous. J'ai pour sortir les tuiles dans la thermite. Putain et là ça va chier. Alors, couvreur débutant de cabane. Avec ses compétences vous pourrez cuire des tuiles à l'argile en même temps. J'ai pas compris, j'ai pas lu. J'ai pas lu. Putain, je suis un génie de construction, les gars. Je suis un génie de la construction. Mais mets-le, Cucklord. Comment je les sors? Comment je sais qu'elles sont cramées? Oh putain. Optimisation. Y'a pas un échafaudage genre, hé hey, frérot, fais un échafaud. Bête quoi lui? Merde, mon point de compétence, très important. Avec ces compétences, vous pouvez cuire beaucoup de tuiles d'argile. Let's go.
suis maxé. Je suis maxé. Tu l'as posé ce soir, Kek W. Oh putain. Ah oui, donc en fait, tu mets les trucs et ça cuit genre un milliard de trucs en fait. Ok. J'en mets 4 et ça en cuit un milliard. Ok. On va remettre un peu de bois. Clac clouc. Clac clic. De toute façon, j'ai fini le jeu. Comment je vous ai fait le haut là? C'est infernal! Ah, par en dessous! Oh le génie! Je suis un génie! Alors? Comme ça, nous permet de poser constamment des huiles, il suffit de maintenir. Oh là 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 là, le maître d'œuvre. Le maître d'œuvre. Oh putain! J'ai fini le jeu. Tu vois, ça stimule. Ça me stimule ma dopamine. J'offre 10 subs si tu coupes la musique JPP. Vas-y, offre 10 subs, je coupe la musique direct. J'ai ma petite maison. Hein? Il nous reste encore à mettre quelques tuiles en haut pour que le toit soit complet. Congratulations! Je donne le 5 étoiles! Cracoup, crac, cric, clic, clac! On n'a pas vu le requin, les gars, il y avait un requin. Oh merde, cabane du trappeur. Oh merde. Êtes-vous sûr de vouloir acheter celle-là? Elle me coûte 1500 neurones. Non, je suis pas sûr. Putain, il y a tellement de choix, je sais pas lequel choisir. Il y a tellement de choix sur cette planète. D'ailleurs, en plus, c'est faux, c'est des fausses informations, la Terre est plate. Hein. Je comprends pas pourquoi ces jeux vidéo continuent à montrer la Terre ronde. Cabane du trappeur. Premier pistolet à clou utilisé à pression d'air. Oh putain, malheureusement vous ne pouvez compter que sur vos missiles. Il n'y a pas de magasin ni de civilisation. Vous avez réussi à amener les outils sur le pick-up, mais vous devez organiser le reste pour construire vous-même cette maison. Prenez soin de vous et faites attention aux ours. Bonne chance. Oh putain. Merci WonderSugal pour 10 subs, mec. Merci beaucoup, mon frère. Tu vois, j'ai compris avec la musique. La musique a changé. Tu les mets où les matériaux? Hein? Attends, je suis en mode de la. Attends, mais c'est comme ça que tu fais les fondations d'une maison? Hein? Menteur, voleur, tricheur. Oh, j'ai une échelle. J'ai... Oh non, mais sérieusement là. Oh, c'est un vrai truc. Elle est ma tronçon. Mais lâche ce truc là. T'as un mètre dans... Attends, c'est trop... Comment je ramasse? Objectif. Nous commençons à construire la maison du trappeur par les fondations. Ce sont des poutres bien ancrées. N'oubliez pas qu'après avoir coupé le tronc, vous devez... Mais frérot, bon, je vais lâcher cette merde. Voilà. Excusez-moi, chat. Voilà, on va prendre ça. On va prendre ça. Ma tronçon. Clac-clouc. Attends, non, je dois prendre les mesures. Non, je dois prendre les mesures, chat.
Non. Ah, attends, vous pouvez obtenir les poutres en coupant les arbres à proximité. N'oubliez pas qu'après avoir coupé le tronc, vous devez couper avec la tronçonneuse jusqu'à la longueur appropriée. Et aussi écorcer chaque poutre avec un outil. Oh, le boss. Je sais pas comment j'ai créé ça, mais le boss. Trop court. Comment j'écorce? Ça, ça sert à écorcer, les gars? Alors, le maître. Alors, laissez-moi voir combien ça, c'est... Alors, du bas en haut, on est à 0,52, donc il me faut 0,52. Fais voir un peu. 0,52, très bien. Alors, d'ici à là, on est à 0,52, c'est très bien. Non mais mec, je suis un génie informatique. Mais comment je l'écorce cette merde? C'est là-dedans? Comme ça, non? Écorce de droite à gauche. Non, tu te fous de ma gueule, faut que je fasse ça? Faut que je roleplay? Putain, mec, je suis un génie informatique! Oh! C'est combien ça augmente votre capacité de saut? Vous êtes capable de faire 50% de plus haut? Je m'en branle les couilles de sauter! Alors, mesdames et messieurs, on est à combien de périmètres de sécurité ici? Commence toujours pas en bas, le maître. Clic, clac, clouc. On est sur du 0,7, j'ai l'impression, oui. Plus 0,66, 0,7. Je pense que je serai indulgent. Je pense que si j'égore ça, ça devrait le faire. Ah, ça va plus vite si je fais ça. Oh, par contre, là, c'est trop, là. Désolé, les gars, désolé. Ça devrait le faire, ça. Nickel, je suis un calculateur. Oh, merde. Pourquoi il faut écorcer le bois, les gars? Je comprends pas. Pourquoi on écorce le bois? Utilisation de la tronçonneuse. Merci, je l'ai déjà utilisé, frérot. Pourquoi il faut écorcer le bois, les gars? Pour que ce soit lisse? Mais qu'est-ce que je m'en branle que la fondation soit lisse? Tu comprends? Qu'est-ce que je m'en tapote les burnes? Oh, le génie, t'écorces d'abord les grandes pièces. Comme ça, tu te fais pas chier à écorcer 36 fois. Oh là là, le génie. Le génie. Donc ça, on va le mettre. Moi, je vais vous montrer comment on travaille. Non. Ah ouais, c'est rapide si tu écorces tout le truc. Ok, donc là on va prendre les unités de mesure. Tu écorces pour éviter les insectes? Ah ouais. Alors chat, on était où? 3m15. C'est parti mon kiki, mais regardez. Pourquoi je prends des mesures alors que je pourrais juste être un génie et faire ça, regardez. Clac, tu vois.
Moi, c'est ce que je ferais IRL, tu vois. IRL, je ferais ça, les gars. Clac-clou, comme ça, là. Je le mets là, comme ça. Tu vois, IRL, je fais ça. IRL, hé hey, je me fais chier avec un truc, tiens. Ouais, ça rentre bien quelque part, voilà. Oh, tu m'attaques. M'attaque, les gars. Et là tu coupes ça comme ça, cadeau. Et t'espères le mieux. Hop là, et t'espères le mieux quoi. Voilà, et t'espères le mieux mon frérot. C'est comme ça que ça marche la vie frérot. Pas trop calculé dans la vie. Pas trop calculé les gars dans la vie. Faut pas trop calculer les gars dans la vie. Faut se laisser aller. Faut se laisser aller les gars, hey. Les calculateurs là, on vous voit. Voilà, ça rentre, bien sûr que ça rentre. Fuck les arbres! Alors là, c'est. On l'a assez bien. Là, c'était pas supposé rentrer celui-là. Ça rentre. Mais merci. Quelqu'un l'a tronçonné pour moi? Merci. Chat. Normalement j'ai fini le jeu si je coupe celui-là en deux. Après mon calcul. Clac, clac, je prends les deux et la claque, regardez. Clac. Clouc. Ok, plus que deux. Il y a quelque chose d'inquiétant les gars. J'ai pas débloqué de points de compétence. C'est très inquiétant. Très inquiétant. Mais non, trop court, putain. Et on peut pas les coller, là? Ce qui m'évert, tu fais nimp et ça marche, on dirait le JavaScript. Et si t'es un ingénieur, c'est Grace à Squeezie K-E-K-W-K-E-K-W. Oh mon dieu, mec, faut encore faire des rondins, là? Je peux pas mettre les planches, là? Ça a l'air plus simple, les planches. Là, il y a des planches à mettre. Non? Des petites planches là à mettre, non? Il veut que je mette des planches par terre, non? À chaque coup de tronçonneuse, je perds de l'audition. Émoticône clignant de l'œil, émoticône clignant du dos. On a trop court. Ça rentre là!
Voilà, ça rentre. Mais quoi, trop court? Mais ils sont fous. Mais il me faut des séquoias. Mec, hey, donnez-moi des points de compétence là. Non? Faites-moi couper du bois automatiquement, j'en sais rien. Ça fait mal aux... Les gars, vous voulez que je passe le son? Oh, ça va être long, ça. Voilà. Y'a un cochon. Arrière. J'ai baissé le son, les gars. Mais c'est bien d'entendre la tronçonneuse, ça... On est dans l'immersion, les gars. Trop court. C'est ce que ma copine me dit quand je suis nu, émoticône clin d'œil. On est immersé. Imagine, j'étais en train de prendre des mesures au début, t'as vu? Imagine, alors qu'il suffit juste de couper les arbres, c'est facile de faire une maison. Oh putain. Ça va permettre un décortage plus rapide, mais s'il vous plaît. Merci. Ça devient hardcore le jeu. Il devient hardcore. Putain, par contre là je l'ai écorcé les gars. Mais vitesse grand V, ça fait plaisir. Boum. Ok, ça y est, ça speedrun. Y'a pas un plus d'arbres, mais on speedrun. Casse-toi le cerf là. J'ai fini. Ça rentre, ça. Ça rentre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est bien, c'est roleplay. On perd de l'audition grâce à la tronçonneuse. Il manque plus. Pourquoi que je peux pas mettre de des planches, les gars? Je comprends pas, en fait. Pourquoi il l'a fait en rondin de bois, ce cucklord, alors que j'ai un truc pour faire des planches? Il est trop con, non? Pourquoi est-ce que... Ça j'aime bien ça. Ça c'est pratique ça. Tiens, ça c'est pratique ça. Ça c'est réaliste. Enfin un truc réaliste. Et l'écorçage rapide les gars, ça fait plaisir. Y a plus d'arbres. En fait, ce qui est chiant, c'est que je peux pas... Yes. Le doublé gagnant. Oh, trop court, putain. C'est pas grave. T'es mort. Yes, du surplus. Je te jure, pose 2. Oh, ça rentrait parfaitement, les gars. Là, ça rentre. Ça rentre pas. Ça rentre pas. T'imagines les mecs qui prennent des mesures là? Oh là 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 là. Attends, si tu prends des mesures, je pense que tu t'en sors mieux. Non mais attends, c'est trop là. Chat. Attends, il doit y avoir moyen de farmer plus fort. Attends, il doit y avoir moyen de farmer plus fort. Mesure automatique de bois. Juste avant de couper les rondins, il mesurera automatiquement une dimension. Quel ingénieur. C'est quoi le bordel? Pourquoi y'a un truc planté dedans là? Pourquoi y'a un truc planté dedans, frérot?
Mais alors, il mesure ou pas? Oh, ça, c'est pratique, ça. Rien à foutre. Mais attendez! Chat! Il doit y avoir moyen de d'utiliser ma Jeep. Ah, donc tu farmes tous les arbres comme ça en fait. Ok. On va farmer comme ça après. Ok. Je vais déforester tout ça. Ok, ça y est, j'ai compris, je suis en mode farmer. C'est quoi ça? Tout ça vous permettra de couper des palmiers? Hein? Vous l'avez déjà? Ça permettra automatiquement. Mesurer automatiquement les éléments de bois à partir des plants. Trop cool! Écorçage rapide. Let's go. Là on va écorcer mon frérot, ça va couper. Attends, mais elle est déjà écorcée, non? Quand je cut, c'est écorcé? Attends, mais... Ok, c'est comme ça qu'on farme. On farme à l'automatique, les gars, on farme à l'automatique. C'est la K47 ici. Bravo, vous construisez une maison en forêt, mais sans la forêt au final. La bonne logique KEKW. Eh hey mec, il faut de l'espace, ça va repousser, t'inquiète. Ça va repousser. Là, il faut que j'aille trouver un bon endroit de farm là. Ça a l'air pas mal ici là. Hein? Attends, mais c'est déjà écorcé ça, non? Grâce à cette compétence, vous pouvez confondre la longueur du bois assemblé d'environ 30%. Oh, ça, c'est l'indulgence. Le son de la tronçonneuse, je sais qu'il est horrible, les gars, mais il n'y a pas le y a pas les volumes SFX, frérot. Il y a rien d'autre de plus facile que la tronçonneuse, les gars. Ok, donc on va tronçonner, les gars. Doubler le nombre de rondins lors de la coupe d'une tronçonneuse. Enfin, putain, c'était pas trop tôt. Enfin, un truc réaliste. Bon, les gars, je fais une séance de farm. Enfin un peu de réalisme. Hey les gars, je rentre à la base, les gars. Ma base sera prête. Quand je rentre à la base, ma base est prête. Grâce à cette compétence, vous pouvez confondre la longueur du bois environ 50%. Je sais pas ce que ça veut dire, mais vas-y go. Ça y est les gars, j'ai fini le jeu. Putain, j'ai déforesté la forêt.
J'adore la coupe automatique, c'est incroyable. Monstre. Par contre, pourquoi je peux pas faire de planche? Il est bête ou il est vraiment bête lui hein? Trop court. Je suis Keblo. J'ai encore des bouts de bois là-bas. J'ai encore tellement à construire, chat. Je suis tellement bon. On a fini cette baraque, elle est trop stylée ma baraque. En vrai, faire une maison comme ça, ça met combien de temps, chat? Ça met 6 mois, non? T'as vu, il met une grosse planche et une petite planche à l'intérieur. Il est chelou. 2-3 mois. Comment je suis chaud. Trop court, ça y est, c'est fini. Ça y est, tout est trop court. J'ai plus que des petits. Ok, les gars, j'ai presque fini. Attendez. Ouais, j'ai presque fini. J'ai presque fini. Par contre, je suis très déçu de ne pas avoir débloqué un point de compétence. Extrêmement déçu. Extrêmement déçu, les gars. Bim. Oh, il faut pas que je claque les grands là-dedans. Vas-y, c'était quoi? J'en sens bas la race, en vrai. On s'en bat la race. Mais mets-le! Pose-le! Lui, c'est le plus important, lui. C'est le plus chiant, lui. On a presque fini. Pourquoi il est même pas... Oh, mec, il met pas les petits. Il met pas les petits. Bon, vas-y, genre, on s'en fout. Trop court? Comment ça, trop court? J'ai pu... Oh merde. Tu gagnes pas parce que tu gagnes pas de points à mettre tout comme ça à l'arrache sans les mesurer. Ah ouais. Oh. Attends, j'ai appuyé sur un bouton là. J'ai appuyé sur O. Waouh. Tu vas voir s'il gagne pas de points moi, tu vas voir. Attends, t'es sûr qu'il gagne pas de points maintenant? T'es sûr? Moi je suis pas sûr. Moi je suis pas sûr. T'as ruiné ton expérience, et voilà. Tu es qui pour dire que j'ai ruiné mon expérience?